comme ça est bugué, donc du coup faut qu'on fasse. Il y a deux trucs. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je crois. Ça déjà, va mieux, on visualise. J'ai raté la clé qui est là. Donc on va ça me faire chier. Oh, chaud chaud. Putain, fais chier. Ok, ça y est. Super. On va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça, on saura enfin tout ce qu'elle dit. Faut que t'ailles à la salle des serveurs pour installer la backdoor. T'inquiète, je sais. Petit rappel à tous les inviteurs. Nos projets doivent impérativement rester confidentiels. C'est clair pour tout le monde? Donc, si quelqu'un nous demande sur quoi on travaille, parents ou amis, on ne dit rien. Pas même que vous ne pouvez pas en parler. Simplement que vous n'aimez pas parler de votre travail et changer de sujet. Et ça, même si la personne insiste. Merci à tous. C'est chez toi,
Putain. Ça, ça bug. Ah, pas ça, je m'en fous de ça. Mais je m'en fous de ça. Putain, ça bug. Putain. Mais ça bug. Putain. Putain, ça pète les couilles, ça bug comme ça là. Putain, ça commence à m'énerver déjà. Attends, ça bug, je peux rien faire. Ils sont sérieux dans leur vie. Donc en fait, faut que je passe derrière. Déjà, je sais. Ça s'est pas super bien passé là-dedans la dernière fois. Un putain de bad trip. Ouais. C'est l'histoire. À cause de ça, ils ont renforcé la sécurité, je vous signale. Ah ouais. Ah bah super. Tac, des gens, c'est ça. Merde. Voilà où. Hop. Hop là. Déjà, c'est bon. On va attendre. Attendre un peu que ça se calme. On va attendre. Et encore un qui arrive.
continue. Bim. Et hop là. C'est bien le tuto sympa comme ça. Hop là. Comme ça c'est fait. Déjà, il n'y a plus personne presque. Ok, ça y est. Super, on va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça on saura enfin tout ce qu'elle dit. Faut que t'ailles à la salle des serveurs pour installer la backdoor. T'inquiète, je sais. Petit rappel à tous les inviteurs. Nos projets doivent impérativement rester confidentiels. C'est clair pour tout le monde? Donc, si quelqu'un nous demande sur quoi on travaille, parents ou amis, on ne dit rien. Pas même que vous ne pouvez pas en parler. Dites simplement que vous n'aimez pas parler de votre travail et changez de sujet. Et ça, même si la personne insiste. Merci à tous. Déverrouiller. Putain, c'était là la salle chauffe. Il fallait prendre l'ascenseur. Oh là. Thank you.
que là. Merde. Leader. Les deux, alors. Oh, putain. Bande de bâtards. Je vais jusqu'ici. Et voilà. Je kiffe Atom. Bien joué, monsieur. Alors, c'est dit quoi de beau? Est-ce que tu vois ce que je vois, là? On dirait... Putain! Ils utilisent Bellwether. Merde! Ça veut dire que... que Bloom est derrière tout ça? Les chiens! Ils manipulent les gens de manière à ce qu'ils votent pour Truss! Tu sais quoi? On devrait pouvoir le modifier pour que ça joue contre lui. Ah ouais, ça me plaît! Allez-y! Hop là... Allez, barre-toi maintenant! Bah ça sûr, hein, je vais pas me rester là. Et voilà. Alors, attendez deux secondes. Alors, on va faire la mission Royaume des Moutons. Alors je galère un petit coup vite fait. J'espère que c'est pas trop loin. Non, ça va, c'est à côté. Hop là. Oh, très belle photo d'ailleurs. Ici. Très beau. Vous devez prendre conscience que les grosses entreprises qui gèrent vos données excellent dans l'art de vous en séparer. Ouais, sauf qu'elles que sont à vous ces données. Vous si avez le droit si fin, de les plus contrôler et de savoir ce foutu comment programme elles sont utilisées. Peut influencer tous les électeurs vous avez le droit du pays. À la connaissance. Ouais, Truss va leur assurer l'aval du Congrès, c'est pour ça qu'il est si important. N'oubliez pas bah depuis qu'on a trafiqué le code d'Invite, le petit membre du Congrès se fait descendre dans les sondages. Invite est en flip total. Hé, Marcus, faut trop que t'écoutes ce qu'on a enregistré. Ça, c'est une discussion entre Truss et Mary Catskill, la PDG d'Invite. Vous ne pouvez rien faire? Ça va plus du tout, là. Il faut qu'on se voit. J'ai quelque chose qui permettra de régler le problème. Oh, Dieu merci. Retrouvez-moi à mon appartement. Renforcez la sécurité, je vous retrouve là-bas.
Merci, Marie. Vraiment. Personne n'en sait. Je vais enregistrer leur rencontre, on pourra l'utiliser contre eux. Et je m'en vais vous aider. Votre calèche vous attend, monsieur. Oh, merci, très cher. Me dit qu'on va avoir du mal à entrer. J'ai fait mes petites recherches, et il y a des caméras de sécurité partout. On devrait les utiliser pour notre repérage. Utiliser leurs caméras pour franchir leur sécurité? Toi-même tu sais. Voter, c'est une des dernières libertés qu'ont les gens. Tu savais qu'Invite surveille les intentions de vote de ses utilisateurs? Bah oui, pourquoi ils se priveraient? Ça me rend dingue ce qu'ils font chez Invite. On le sait que les entreprises passent leur temps à manipuler les gens. Bon, là c'est carrément Vislard. Ouais, ils contrôlent toutes les infos qui circulent. Ils savent tout sur tout le monde et comment en tirer profit. Oups, j'ai même plus conduire. C'est où? Je vais aller voir ça. Et moi je vais explorer la zone. Voir si je peux trouver un accès direct. Regarde ton laptop. Je voudrais pas que tu rates ça. J'imagine qu'il faudra prendre de la grue. Monsieur les mecs. Oh, quelle surprise. Surprise. Une surprise. On dirait que vous venez de vous chier dessus. Je ne vous permets pas. Vous et Madame Catskill m'aviez promis que... Je ne vous ai rien promis du tout, Marc. Les promesses, c'est pour les enfants de 5 ans, Marc. C'est du chantage? Je sais, je sais. J'aurais préféré trouver une solution plus raffinée, mais... Celle-ci a fait ses preuves. Cet état pardonne les frasques sexuelles bien plus facilement que l'usage de drogue, Marc. Je suis membre du Congrès des États-Unis. Pour en venir aux faits, mon petit Marco, vos intentions de vote sont en chute libre, ça peut pas durer. Il faut passer au plan B. Vous vous souvenez de ce que c'est, le plan B? Ça, ce sont les schémas. Si ça vous intéresse. Je croyais que votre programme allait me faire réélire. Non, les miracles, c'est pour les losers, Marc. Vous préférez pas la mériter, votre victoire? Si les choses se passent mal, n'oubliez pas. Vous fermez votre bouche. Pas comme sur les photos. Non mais, vraiment, je m'excuse, sérieux. Je ferai mieux la prochaine fois. Ok. Vous avez vu ça? Dushan est impliqué, obligé. Oh la vache! Il y a beaucoup d'activités par ici. Marcus, l'immeuble vient de disparaître du réseau. On peut ni entrer ni voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais y aller. Il doit bien y avoir des preuves de ce qui se passe quelque part. Je suis sur le toit de l'immeuble voisin. Il y a plein de grues dans le coin. Ça devrait t'aider à accéder à son appart sans problème. Ok, j'arrive.
Yo Marcus, ça va ou quoi? Regarde un peu ça. Hmm? J'hallucine, on voit toute la ville d'ici. Y'a un paquet de gens qui vivent là, mon pote. Un paquet de gens. Qui se font entuber. Et qui s'en rendent même pas compte. Comme... endormis. Ouais, c'est carrément moche. T'es conscient qu'il va falloir se battre comme des chiens pour en faire des citoyens normaux? Je te le fais pas dire, mon pote. Ok. Trouve les preuves qu'il nous faut, je vais installer ta porte de sortie. Voyons, il y aura des grues. Faire des grues. Eh, hey, c'est pas trop ça? Non, je crois que ça c'est un hélicoptère. Guignol va. Sinon, il faudra reprendre la grue. Réussir à la touche haute. Ah merde, elle est bloquée. Hop là. Ok, bon, je pense que là il faut que j'aille revoir la grue. Bah, au moins ça. Oh merde! Mais le con! Oh là là, je vous jure. Alors, on va faire.
Nickel. Moi je dis que je suis bien. Ils effacent toutes les preuves. Trouve-nous un accès, Marcus, avant que tout soit détruit. Je vais vous faire entrer dans le système. Ensuite, utilisez le botnet pour forcer l'accès et télécharger tout ce que vous pouvez. Mais si on lance le téléchargement, ils sauront que t'es là. Bah, c'est pas marrant s'ils le savent pas. Et puis j'ai une surprise pour eux. Faut que je le pirate. Citara, c'est bon, je suis prêt. Balance-moi du bon son. Accès. Belle vue ici. Tous les systèmes sont opérationnels. Vous pouvez y aller. Thank you.
blaireau. L'accès est ouvert, à vous de jouer. C'est quoi mon plan d'évacuation ? Yes ! Ça c'est fait. Donc, je pense que c'est le parce qu'en fait du coup je ne me rappelle plus combien de temps que ça fait. Donc, je pense que ça fait pas mal de temps. Marcus, on tient leur plan B. Ils vont utiliser les machines de vote. Les machines de vote ? Elles sont pas hyper protégées ? À la base, elles protègent les données qu'une fois le vote effectué. Mais avec les données d'Invite, elles peuvent ignorer les votes avant que les électeurs valident leur choix. Josh a trouvé où ils stockent les machines. Il t'attend à l'extérieur de Fourpoint. Fourpoint ? Ok, j'y vais. Oh, Marcus ? Tu devrais ramener des explosifs. Ah, j'espérais que tu me le demandes. Ok, ça sera la prochaine mission. Donc j'espère que ce plan se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page sur mon Twitter. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, on va continuer pour une prochaine vidéo. Allez, salut !